tout le monde, c'est Super Brioche. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Ratchet & Clank Crack in Time. Je vous retrouve dans l'espace pour une mauvaise nouvelle. Je suis désolé de vous annoncer ça. Bon, ça va, c'est pas une mauvaise nouvelle désastreuse, mais c'est quand même une mauvaise nouvelle. En fait, j'ai tourné un épisode de secondaire parce que j'ai vu dans les commentaires de l'épisode précédent que vous étiez chaud pour continuer tout ce qui était tournoi, récolte de Zoni et d'Holoplan. Vous avez dit que vous préféreriez que je vous le montre. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Sauf que voilà, mon enregistrement a foiré. En fait, j'ai l'image, mais je n'ai pas de son. Ce qui est quand même assez gênant. Donc, bah, je suis vraiment désolé, mais tout ce que j'ai fait, bah, c'est tombé à l'eau. J'ai pas pu récupérer d'anciennes sauvegardes, puisque bah, on est sur Ratchet, qui est un système d'auto-sauvegarde. D'habitude, je fais quelques backups, je fais de temps en temps une nouvelle sauvegarde au cas où. Sauf que je l'ai pas fait depuis un moment, donc ça recule à beaucoup trop longtemps. Voilà, donc ça me fait vraiment pas plaisir pour vous. Je voulais vraiment vous montrer ça. J'avais fait le tournoi, j'avais eu une nouvelle arme sympa qui transforme les ennemis en singes, donc je vais pouvoir vous la montrer dans cet épisode, mais bon, j'ai pas montré le tournoi lui-même. J'ai eu des trophées PS3, enfin j'ai eu plein de trucs, j'ai eu un morceau de le plan au tournoi, enfin j'ai fini le tournoi en fait. J'ai eu aussi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu surtout le cartographeur de trésors qui me permet d'afficher où sont les holoplans, où sont les boulons d'or, où sont les zonis. Donc c'est vraiment très pratique et c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai récupéré pas mal d'holoplans. Faut savoir qu'en fait, là on va continuer les holoplans, en fait il m'en manque plus qu'un. Enfin il m'en manque deux en fait, mais il y en a un que je peux récupérer maintenant et le deuxième en fait est sur la station spatiale de Nefarious, donc c'est pour la suite. Là on va faire vraiment du secondaire, on va terminer ça. Donc je vais récupérer ce dernier holoplan récupérable et je vais récupérer les derniers zonis. Idem les zonis, je vais vous montrer. Enfin vous voyez déjà, grâce au cartographeur de trésor, on voit tout de suite ce qui s'affiche dans le secteur. Donc là je suis dans le secteur de Corvus. On voit que j'ai 2 sur 3 zonis, 1 sur 3 boulons d'or, 0 sur 1 amélioration constructo et 1 sur 1 d'holoplan. C'est le dernier icône. L'holoplan était ici, dans la vallée de Gimlik. Là où on avait combattu, on avait modifié le passé. Donc je l'ai récupéré. Il était dans le présent. Mais voilà, donc je pourrais peut-être vous montrer des petits aperçus de ce que j'ai. J'ai que le son, donc voilà, mais c'est vraiment dommage, je suis vraiment désolé. Moi c'est surtout pour la reine, ça vous plaisait beaucoup et j'ai pas pu, bah voilà, elle est terminée et j'ai pas le choix, je peux pas y retourner. Enfin je pourrais refaire les défis, mais ça a plus grand intérêt. Donc vraiment désolé. J'ai acheté aussi les armes qui me manquaient, il me manquait le, je sais plus comment c'était, les mines Tesla, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté pour compléter, ça m'a fait un trophée PS3 parce que j'avais acheté toutes les armes. Et j'ai amélioré une arme constructo V2. Enfin voilà, j'ai amélioré quelques armes. Enfin voilà, je suis vraiment désolé. Moi ça me... Je supporte pas quand il y a des bugs comme ça d'habitude. Sur les autres jeux, j'ai des sauvegardes, j'ai des backups. Et là, j'en avais pas, comme par hasard. Donc voilà. Je me ferai plus avoir, je crois que je vais vraiment faire une sauvegarde à chaque fois, mais... Les auto-sauvegardes, c'est le démon pour tout ce qui est let's play, parce que s'il y a une boulette, et bah voilà, on peut plus revenir en arrière. Ce qui m'est déjà arrivé sur des trucs, bah genre, il y a pas si longtemps avec KH, Kingdom Hearts, mais j'ai vu qu'il y a le système de sauvegarde, c'est moi qui fais, bah je peux revenir en arrière s'il y a un problème. Bref, écoutez, on va donc dans cet épisode faire encore du secondaire, compléter les derniers zonis. Il m'en manque 4 dans ce secteur et 1 ici. Le dernier holoplan est sur cette planète, la citadelle des Valkyries, et il doit manquer 2 zonis ici, donc on va essayer de se dépêcher quand même, parce que là il m'en manque 1, mais j'ai fait sur cette planète là, oui c'est sur ce, enfin sur cette lune-ci, le dernier zoni que j'avais fait donc dans l'épisode précédent était très compliqué, c'était sans doute un des derniers, donc je pense que ça va être assez long de faire ce dernier zoni, voilà. Bref, on va sur la lune correspondante qui est ici. Ce secteur qu'on n'a pas visité en tant que vaisseau, hein, parce qu'on avait été expulsé ici sur l'astéroïde. Et finalement, on n'a jamais vu à quoi il ressemblait. Et il est plutôt joli. Atterrir. Alors, j'espère que ce sera beaucoup plus court que sur ma dernière lune, là. C'était vraiment une catastrophe. C'était super long et super compliqué. On va vite le savoir. Est-ce que j'ai le droit d'aller... Non, ça a l'air d'être des sables mouvants, donc on va pas y aller. Hop, hop, hop. Waouh. Attends, là, ça a merdé, hein. What? Tu... Ah, il y a des cibles, ok, ok. Il y a des cibles de swinger, voilà. Ah, ça a l'air d'être plus du jump, et ça me plaît beaucoup plus.
J'aime bien le jump, j'aime bien le jump. Par contre, je veux pas de plateforme qui bouge, genre avec les trains. Hein, parce qu'il y en avait justement sur la dernière, et là ça m'a foutu en rage. C'était horrible. Enfin voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop parce que vous vouliez voir l'arène et que j'ai. Bah, y a pas d'arène. Voilà, vraiment désolé. On complète ça et la prochaine fois, bah, on ira sur la station de Nefarious. J'ai dit aussi que. Bah, la station Nefarious, c'est pas forcément la fin. J'avais le choix de continuer le secondaire un peu plus tard. De toute façon. Wouah! Ça se. Oh là là. Attends, reprends ton swinger au cas où. Ça se confirme que c'est pas la fin parce que de toute façon, s'il y a l'holoplan là-bas, s'il y a un dernier morceau d'holoplan, ça veut dire que je peux retourner voir le contrebandier entre temps. Donc voilà. Mais c'est moi qui veux finir les Oni maintenant. Mais je veux que ce dernier morceau d'holoplan soit sur la station spatiale. Hop, et ça me paraît important quand même de terminer les Oni et l'holoplan pendant le let's play et pas dans un épisode suivant, parce que comme ça je pourrais taper le boss final avec, avec mon petit Delt. Ça me paraît plus sympa. Ah super, le Oni est là. C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa surtout que je vous dis le dernier Oni que j'ai fait. Au moins vous aurez esquivé ce moment de rage et de galère. Prends les caisses coquines, parce que même si j'ai pas un grand besoin de boulons vu que j'ai acheté toutes les armes, on aime bien. Et retourne au vaisseau. Est-ce que c'est simplement par ici? Hop! Je crois que je vais n'importe où là, mais. C'est pas grave. On y va! Ça va peut-être fonctionner. Est-ce que je vais atterrir sur le vaisseau là? S'il vous plaît! Au pire, il y a du swinger là. Vas-y, accroche-toi. Eh ouais, regardez, c'est fait exprès là, non? Le vaisseau! Non, je suis en train de retourner, je suis en train de refaire la zone là! Ah putain! Oh là, oh là, oh là, cabron et cabron toi, hein! Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Voilà, c'est mieux. Bien! Donc, maintenant, on se casse, disons par ici. Donc il y en a un sur cette planète, sur la planète Lumos. On va récupérer, quoique on va plutôt faire une lune avant, histoire de couper avec la planète. Donc va ici. Enfin va ici quoi. Entrez dans le secteur de Cortos. Ok, nous y voilà. Je préfère vous faire des petites ellipses pendant les chargements parce que des fois les Oni c'est plus long que prévu à récupérer. Non, j'ai pas envie de changer de radio là. Non mais je m'en fous. Bon, c'est pas grave, il veut pas changer de radio. Donc, des Oni, des Oni, des Oni. Il y en a un en face de moi. Allez, go. Tout excité que j'étais à l'idée de me produire dans la salle du clair de lune, il semblerait que j'ai. Ah, ça y est, j'ai trouvé comment changer de radio. Ok, c'est pas grave. Pas très important. Oh, mais il est protégé ce petit Oni. Je vais vous montrer du coup s'il est protégé. Ok, il est resté sur la radio. Bah écoute, très bien, on aura de la musique badass. Regardez, ah, faudrait quand même que j'achète. Donc j'ai les points de Tesla, donc ça c'est l'arme que j'ai jamais voulu acheter et que finalement j'ai acheté parce que voilà, pour compléter. Mais j'ai aussi cette arme magnifique qui était la dernière récompense de l'arène. Et qui permet de transformer les ennemis en magnifiques petits singes. Alors, on va essayer. Je sais pas si elle a un des V1, V2, V3. Et hop, un petit singe. Ah, mais d'habitude, ils ont des cymbales. Pourquoi il a pas de cymbales, lui? Bon, dégage. Ok, voilà. On tue les petits singes. Rien à foutre. Il y a de l'eau quand même, hein, donc tu vas prendre ça. Voilà, parce qu'apparemment, on va peut-être pas prendre les bottes en fait, c'est peut-être trop dangereux. Je vais pas aller dans le magma en fusion. Les surfaces chaudes doivent être refroidies pour éviter tout dégât. Sans déconner. Sans déconner. Hop, hop. J'ai continué à utiliser mon arme de singe, parce que comme ça on pourra voir si elle s'améliore.
Enfin, de toute façon, j'ai plein d'armes à améliorer. Hein. Entre Jean-Luc, avec Jean-Luc, vous m'avez fait rire dans les commentaires précédents. Là, vous arrêtez pas de dire, ah, mais en fait, c'est un truc de... de... Voilà. Vous arrêtez pas. Enfin, Yamete, Tentaculus. Oh mon dieu. Bref, vous avez compris de quoi je vous parlais. Hop. Hop. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé sur le coup, mais bon, avec les petites tentacules, là, on dirait un petit... Un truc japonais, quoi. Toi, singe. Merci. Mais il n'y a pas de barre d'amélioration, donc je pense franchement... Non, mais elle doit pas s'améliorer, cette arme, c'est pas possible. D'habitude, c'est marqué, voilà, c'est pas marqué V1. Autant améliorer les autres, genre toi. Mon constructeur fusil. Ils m'ont mis une musique badass, du coup, là. Salut. Bonjour. En plus, il est bientôt en V3. Waouh, ça pète de partout, là, calmez-vous. Ah oui, parce que justement, j'ai eu une amélioration avec ça. Regardez, voilà, c'est ça. Pendant l'arène, j'ai eu une amélioration constructo qui me permet d'avoir des petits trucs qui explosent. Masse. De l'eau. De l'eau, voilà. Donc je l'ai mis, hein, ça a l'air plutôt sympa sur le constructo fusil. Tant qu'à faire. Hop. Pas d'ennemis ici? Non? Hop. Fais monter, fais péter les plateformes, ok. Ça va, pour l'instant c'est facile. Ah, il y a des ennemis, vas-y. On va améliorer. Je veux le constructeur au fusil. Allez, vas-y, V3 avec toi. Non, V2. Oh, putain, encore un ennemi, on est bon. On y croit. Et il me saoule le singe là, je te veux pas moi. C'est dommage qu'elle s'améliore pas l'arme du singe. Je sais qu'il y a des ratchets où il y avait les moutons, les trucs, les... Il nous faut un ratchet où on peut transformer en petit cochon. Je sais pas s'il y a... Non mais... L'autre arme. Je me souviens plus s'il y a un ratchet où on peut transformer en cochon. C'est pas impossible. Allez, V3, ça y est, V3. Animation, s'il vous plaît. Je veux une animation, sinon je boude. Ah, c'est bon. Ok. Nickel, merci beaucoup. Zony. Très très bien. Dans la Pokéball. Voilà. Et on se casse d'ici. Alors on est à 35 Zony. Je crois que j'ai une amélioration de vaisseau justement parce que je suis à 35. Donc je sais pas, peut-être qu'il va voler plus vite, peut-être qu'il a une meilleure arme. Amélioré. Super propulseur Xulien, cet accélérateur extraterrestre renforce considérablement la propulsion de ton vaisseau et lui permet de bien explorer la galaxie. Maintien R2 enfoncé pour l'utiliser. Ok, on va aller beaucoup plus vite. Hé, hey, ici, Rustipit, le fléau de Polaris, la liquide... Attends, mais je peux pas juste éteindre la radio. Je veux pas de la radio, moi. C'est pas grave. Ensuite... Nous avons ici un zoné, donc à ta gauche. Voyons voir si tu vas vite. Olé ! Ça va bien plus vite qu'avant, ça c'est parfait. Hop ! Hé ! T'as raté la sortie là ! Retourne là. Atterri. Ok, ça a l'air un peu plus compliqué ici, mais c'est pas grave. Zony ! Ok, j'imagine que je peux pas toucher le sol. L'eau c'est dangereux. Hop, hop. Bon, on est dans des anciens secteurs, donc ça devrait pas être les plus compliqués. Oh là là, mais attendez, non mais vous me faites des plateformes qui clignotent maintenant? Ah ok, ça va, je peux sauter par-dessus. Dégage. D'accord, quand elles clignotent, elles vont disparaître. Ok, excusez, alors je vais vous montrer cette arme là, ça fait une espèce d'arc électrique, c'est assez spécial mais en fait là, vu que j'ai pas beaucoup de mun, en fait il m'en faut plus, parce que si on en met partout, ça fait vraiment des trucs sympas. Je vais téléporter. C'est justement le but, c'est d'en mettre partout, pour que ça fasse des arcs électriques de partout. Et du coup ça fait très mal. C'est pas mal, mais il faut gâcher beaucoup de munitions. Ok. Attends, je vais faire comme ça. On peut peut-être utiliser un peu celle-ci aussi.
qui a été légèrement amélioré. Je me permets de prendre des dégâts. Hein. Donc je suis monté à 100% de vie. Je suis à 100 points de vie. Je sais pas si ça s'est fait dans l'épisode dernier ou pas. Enfin, dans l'épisode buggé. Ok. Là, c'est stable. Et là, je peux sauter. Ok. T'as la roue de la mort, là, elle est assez compliquée à mettre en place. Hein. Enfin, à utiliser... Des points de Tesla, voilà, des... Très très bien, très très bien. Et pareil, le telt, je sais pas, vous m'avez peut-être répondu, mais je sais plus si on peut l'améliorer ou non. J'en ai que deux, là, mais donnez-moi plus de lune. Donc voilà, je me permets de prendre des dégâts, je fais pas très attention parce que j'ai beaucoup de vie. Alors, attention. D'accord. Ok, là ça passe. Ok. Ok, ok, ok. Ok, il suffit d'avoir le rythme là, c'est parfait. On y est presque. Il y a mon zoni. Donnez-moi mon zoni. Non, on n'y est pas. Dégage. Tombe, 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 tombe. Voilà. Ok, encore une fois, c'est le rythme là, il suffit de marcher. Ouais, marcher, marcher, mais marcher vite quand même. Ok, c'est bon. Elle est vraiment puissante cette arme, pourtant on est qu'un V3. Alors là, par contre, je pense qu'il me fout mes bottes. Oh, je sais pas. Ok, j'ai eu une technique, mais. C'est bon. Franchement, je pense que... Attends, ils se mettent par deux, là. Tac, tac. Il y a une... Non, trois, il y a une pause. J'ai l'impression qu'il y a trois, il y a une pause. Ouais. Hop, c'est bon, Zoni. C'est bon. Nickel. Perfect. 36, il m'en manque plus que 4, oui parce que je suis fort en maths. 40 moins 36 égale 4. C'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Donc, on va faire une pause sur les lunes en allant sur la planète. Ils m'ont remis la musique chelou. Ici. Et après, on ira là-bas. Ok, donc allons dans le canyon Krell. Je vais pouvoir vous montrer comment fonctionne... Ah non, non, mais foutez-moi la paix. Hein. Comment fonctionne le cartographeur de trésors? Parce que vraiment, en fait, ça met tout simplement sur la carte du monde. Quoi sur Lumos? Ça met tout simplement sur la carte où sont les différents trucs secrets. Boulon d'or, holoplan, zoni. C'est vraiment ultra facile. C'est-à-dire qu'avant, dans les anciens Ratchet, ça mettait une zone verte à peu près dans les zones secrètes. Mais ça mettait pas qu'est-ce qu'on y trouve. Et là, maintenant, on voit carrément... Où est le truc? Donc c'est encore plus facile qu'avant. Alors, par exemple, ici... Voilà, donc là on peut voir qu'il y a trois boulons d'or en bas à droite. Que le zoni est ici. Putain, il y a plein de boulons d'or ici. La vache. Et une amélioration constructo là-haut. Mais nous, on s'occupe que du zoni. Donc il faut que je traverse le pont... Ouais, faut que je traverse le pont. C'est derrière moi le pont, non? C'est ça, là. Non, mais... C'était par où pour passer? Là. Oh, wow, wow, mais qu'est-ce que tu me fais? Là, là, ça y est, j'ai trouvé! J'ai trouvé le pont, bravo! C'est déjà pas mal, hein. Je suis pas fou, c'est par là, hein. Il était où, ce zoni? En plus, il me semblait en avoir récupéré un ici déjà. Peut-être que c'en est un encore à poursuivre. Ou alors qu'il n'était pas là dans ma première visite. Hein, parce que je me suis rendu compte en allant chercher des holoplans. J'ai trouvé un boulon d'or, genre comme ça, au pied de mon vaisseau. Qui n'était absolument pas là au début. Ou alors j'étais vraiment ultra bigleux. Donc c'est possible qu'il y ait des zonies qui.
qui n'apparaissent que maintenant. Il faut que je monte. Il faut que je monte. Il faut que je monte. Comment je monte tout là-haut? Y a rien pour monter là. J'ai l'impression qu'il y a des rails là-haut en plus. Comment j'ai fait pour monter là-haut? Je l'ai fait une fois en plus. Ah, faut que je retrouve. Par où j'étais monté? Par où j'étais monté? Là, y a un robot batterie. Je sais pas si c'était très utile. Là nous avons ça. Pourquoi? Tu sais pas. Par où je suis monté? Il faut suivre les rails. Je vois que ça. Qu'est-ce que tu fais là toi? Tu veux venir avec moi? Je sais pas à quoi tu vas servir. Ah mais c'est l'amélioration. C'est la... Ah j'arrive pas à le dire. L'amélioration constructo. Non je suis tombé. T'exagères. Où tu me ramènes? Ok. Ok. Bon, j'ai ouvert l'amélioration constructo. Ah, c'est là. Je reconnais. C'est là pour monter. Je reconnais. Oui, je reconnais. Viens. Voilà. Et là, tu vas à gauche. Non. C'est pas ça. Il y a un boulon d'or, mais je m'en fous, les boulons d'or. Laisse-moi. Non, tu. Dépêche-toi de charger là, l'écran noir. Ah. Ah. Ok, on va s'en sortir. Je vous jure, on va s'en sortir. Ce pauvre petit Zony va finir dans la Pokéball. Donc, viens là. Hop. Je pense que c'est par ici. Oh. Oh les grosses caisses coquines. Oh je le vois. Je te vois. J'ai pas compris comment je pouvais monter ici directement. Mais c'est pas grave. Je te vois quand même. Yeah. Bon enfin. Du coup on va aller chercher l'amélioration. Tant qu'à faire. Pas non plus laisser passer ça. Alors on était pile dessus là. C'était vers le haut. Fonce. Ce serait dommage de la laisser passer. On a quand même ouvert la porte. Je pense que c'est encore ouvert. On est là. Ouais. C'est ouvert encore hein. J'ai pas à faire ma cabriole. Yeah. Non c'est ouvert. C'est ouvert. Ok. Alors, c'est pourquoi? Arme constructo, vas-y, montre-moi. C'est pour le pistolet. Non, c'est là-haut. Tir rapide. Transforme ton pistolet en une arme d'assaut entièrement automatique. Oh, parfait. Alors là, j'approuve. Ah ouais, voilà. Là, c'est mon plasma mitraille. Ça, c'est mon plasma mitraille de Ratchet 1. Ah, j'approuve totalement. On a bien fait de venir, je kiffe. Wouah! Ok, retour au vaisseau, s'il vous plaît. Je crois que le plus rapide, ce sera de tomber gentiment à travers la montagne et de faire demi-tour. Ok, je vais faire une ellipse pour pas que ça dure encore 10 ans et on va se retrouver sur la prochaine lune pour récupérer un autre Zony. J'ai réussi à tomber. Enchanté, merci beaucoup! Ok, go, foutez-moi la paix, on atterrit. Ok, j'ai finalement réussi à quitter cette planète. Ah, je connais cet endroit et je pense que... Voilà, on peut faire ça maintenant parce que maintenant j'ai compris qu'on pouvait sauter dessus. Je sais pas si vous vous souvenez de cet endroit maléfique aussi. Mais j'avais bien ragé parce que je trouvais pas. C'était ridiculement facile. Mais bon, c'est pas grave. Hop. On va pas trop leur en vouloir. Ok, on va de cage en cage. Bon, au moins, ça devrait aller assez vite ici parce qu'on a déjà tout exploré.
On a juste ça à faire. En fait, le chemin de base qui devait être fait dès le début. Ah, pas assez loin. Attends, tu veux pas me donner des munes? Spirale. Ouais, bon, de la spirale si tu veux. On peut essayer d'améliorer la spirale. Où est-elle? Là-haut. Spirale de la mort. Enlève ton boubou, toi, on a dit. Tout le monde se déshabille. Pénible, ces gens qui gardent leur plateau sur eux, là. Tiens, enlève la protection. Ok. Et mon zonide doit simplement être au bout. Vas-y. Non, non, mais... C'est pas possible, je supporte pas ces bugs. Je l'ai eu dans l'épisode précédent, l'épisode qui a bugué. La caméra me retourne, tu sais pas pourquoi, je touche pas au joystick et genre vup. Oh, 90 degrés, juste pour le fun. On adore te voir rager. Bah oui, hein, c'est toujours plus fun. Foutez-moi la paix. En plus, je me suis perdu, là. Ok, c'était le premier, ça. Oh là là, je supporte pas ça. Je fais tout bien, tout bien. Non, c'est là-bas. Et au dernier moment, t'as le jeu qui te dit « Hey, dégage !» Voilà, alors go. Yeah. Yeah, viens par là, toi. Merci beaucoup. Ok, donc c'était le dernier zoni de ce secteur, je crois. Je suis à 38. Plus que deux qui sont dans le secteur où il y a la station de Nefarious, il me semble. Tu peux me... Ok. Le mégasso de la mort. La vache. Point de sauvegarde. Merci beaucoup. Donc, vérifions s'il n'en reste pas dans ce secteur. 14 sur 14. Donc, je crois que c'est ici. 5 sur 7. Voilà, il m'en manque 2. Donc... Et il me manque le plan à récupérer ici. Hein. Pas que je l'oublie. On ira en dernier. Quoique, on va peut-être y aller maintenant. Ça fera une pause dans les zonies. Et après, on fera donc cette lune-ci et... Et cette lune-là. Ok, allons sur la planète. Ok. Alors, j'ai un petit doute sur où se trouve l'holoplan. Ah non, c'est un boulon d'or. Vous voyez, là où je vous avais dit la dernière fois... Enfin, quand on avait fait cette planète, là, qu'on s'était fait le parcours de jump... Enfin, j'appelle toujours... Tout s'appelle un parcours de jump chez moi, mais... Où on saute de plateforme en plateforme... Et j'avais dit, ah, j'aurais pas dû continuer parce que là, il y avait un truc. Bah, c'était un boulon d'or. Bref, le telt se trouve ici. Mais, il a l'air un peu dans le vent, là. On va déjà essayer de rejoindre cette salle. Donc, téléportons-nous. Attendez, je vais prendre des munes. Pour essayer de m'améliorer. Donc voilà, il n'y a plus d'armes du tout dispo. Hein. Il n'y a plus rien de dispo. La dernière arme, là, du coup, ce sera le telt. Alors, où je suis? Ah, je suis à gauche, là. Tu veux pas me téléporter ailleurs, encore? Ah non, ça me... Attends. Y'a pas deux TP? Non, bon, au pire, je vais faire le chemin de base, c'est pas grave, mais... Ça m'étonne que je puisse pas me téléporter ailleurs. Ou alors, j'ai mal compris les trucs... Parce que là c'est en face. Mais c'est pas par là qu'on passe. C'est par là-bas. Bon, c'est pas grave. Vas-y, on va faire tout le tour. Ça me fera des ennemis. Voilà, ou pas d'ailleurs. Hein, on va peut-être vous snobber aussi. Quoique. Attends, les bots. C'est insupportable des fois les bots. Allez, on s'améliore la roue de la mort là. Ah mais la porte ne s'ouvre pas si j'ai pas tué tout le monde, donc comme ça au moins c'est réglé. T'es pas morte? Vous êtes pénible. Allez, elle va passer en V2 elle, regarde. Regarde bien, regarde bien. V2. Animation. Yeah. Parfait, portée détection qui augmente, c'est pas mal ça parce que je galère un peu à toucher les gens hein. Wow. Ok.
Oh merde, oh merde, oh merde. C'est bon, je me suis engagé sur un truc que j'aurais pas dû. Là c'est déjà ouvert, on a déjà fait ça, c'est cool. Là il y a du monde. Ok. Vérifions sur la carte, j'ai encore pas mal de chemin à faire. Dégage. Là il faut que je tue tout le monde sinon ça passe pas. Ah ok. J'ai besoin d'un peu d'élan s'il vous plaît. Mets tes bottes maléfiques et go. Merci. Là c'est ouvert, c'est pareil. Ça va être assez rapide hein. Il y a encore des plateformes qui tournent là non? Attendez. Ok. Tiens, prends ça, prends ça, prends ça. Attendez, je vais peut-être tester un peu l'autre. Celle-ci. Maintenant que j'ai plein de mun et qu'il y a du monde, vous allez voir, c'est pas mal. Ouais, bon, ça reste de la V1, faut pas non plus déconner. Ouais, je vois plus rien. C'est bon? Non, putain. Allez, on va tuer tout le monde avant que de fouiller parce que c'est la galère. En plus... Attendez, mais... Ah non, c'est pas par là. Parce que là, on avait eu un truc. Allez, allez, allez! C'est moi le camp, j'ai plus qu'une mune. Vache, mais vous m'en demandez des choses. Jean-Luc! Jean-Luc! Yamete Kudasai, voici là! Je sais pas parler japonais du tout. C'est bon? Ils se font bouffer! À la source là! C'est rigolo. Alors, non, vas-y, ouvre ça. Allez, 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 voilà. Donc, la prochaine, ok. Ok, donc là il faut que je passe et ce serait à gauche. Là? Ah oui, mais je suis pas venu du tout ici. Ok, donc on a un boulon d'or. Et j'imagine que de l'autre côté, bah on a le lot plan. Bon, ok, facile. Merci beaucoup. Ok, donc c'est tout pour les holoplans. Ok. Allez, direction de la prochaine lune. Désolé, je fais quelques ellipses parce que sinon ça dure. Ça traîne. Et l'épisode est déjà pas mal long sans les ellipses. Donc je vais éviter de vous faire un épisode de 50 minutes où on voit que des temps de charge à main. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Déjà, le zonier est au-dessus de moi. Mais il me fait me barrer. Super. Très malin le truc. Au pire, Zoni, tu pouvais sauter dans mes bras et je t'aurais récupéré. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je te snob. What? Ah non, 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 non. Alors là, je... Oh, ça va pas du tout, ça. Voilà, j'ai snobé l'ennemi et je me suis fait punir par le jeu. Ah non, mais le petit interstice, là, ça, c'est n'importe quoi. Je refuse. Non, mais te téléporte pas. Je voulais changer d'arme. Bah! J'ai pas le droit. Ça fait mal. Mais tiens, mais ça fait mal ça! Oh! Tiens! Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp! Ouh, je me suis téléporté avant que vous puissiez me tuer. Je suis désolé. Attends, mais. S'il y a plusieurs téléporteurs à la même plateforme, par contre, on va vite se perdre. Il n'y en a qu'un pour l'instant, mais je le sens bien venir. Du genre, choisis bien ton chemin. Allez, allez, dégage. On va passer en V3. On va passer en V3. On va passer en V3, c'est bon, V3. Animation! Plus de dégâts, plus de mun, plus de tout ce que vous voulez. Yeah! 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 Vas-y! Tu veux finir, Jean-Luc? Je me suis trompé d'arme, c'est pas grave.
Au revoir Jean-Luc. Jean-Luc est presque en V2. Mange, 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 mange. Miam. Brave petit haut. Ne tombe pas, hein. Jean-Luc, vas-y, régale-toi. Apéritif Jean-Luc. Oh là, je vois rien. Oh, ne me faites pas tomber, je vous jure. Je vous jure, je vous brûle. Non, 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 non. Attendez, attendez, attendez. Je fais le malinx, là, mais... Attends, mais n'envoie pas les mines dans le... Oh là là, vous me chauffez, les mecs. Oh là là, oh là là. Ratchet, pourquoi t'envoies les mines dans les sables mouvants? Tu m'expliques? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que tu veux dénoncer en faisant ça? On y est! On y est! On y est! Merci! Allez, plus qu'un zoni! On y est presque! On a bientôt fini! 39. Ok, ok. Alors, la dernière lune, elle est où? Elle est pas très loin. Elle est de l'autre côté de la galaxie, là. Ok, vas-y. C'est la grosse bleue, là-bas. En plus, on sera juste à côté de la station Nefarious, comme quoi on aura bien fait notre petite boucle. Hop! Ok. Mais comment j'ai fait pour mettre la radio sur la fée de lion? Là, ça me stresse, parce que ça reste... Bon, ça fait une petite ambiance, quoi. On s'enjaille, mais bon. C'est un peu bizarre, quand même. Coucou! Au revoir. Attendez, on va changer d'arme. On va reprendre la mort. Salut, salut! Ça va? Voilà. Pas sûr que celle-ci s'éteigne. Si vous me mettez les plateformes qui s'activent et celles qui s'activent pas, là ça va pas le faire, hein. Non, mais c'est pas ça que je veux. Nickel. Doucement. Voilà pour toi. Hop. Ok, il y a des plateformes qui s'éteignent là. Attention. En fait, elles sont super lentes, du coup, c'est stressant. C'est bon. J'ai voulu faire aller un peu plus vite, mais ça a failli me coûter la vie. Salut! Je vous présente la mort. Ça va? Vous lui passerez le bonjour, hein? Alors, il y a encore des plateformes qui clignotent. Ok, là c'est bon. Hop. Allez, on va pas aller trop vite, là je suis presque à la fin. À gauche là-bas. Voilà. Ok, à gauche. À droite. Voilà, on attend encore. Voilà. Attention. Pas de mauvaise surprise là. C'est bon? Il est là? Non, il est pas encore là. Je vois pas. T'es là ou t'es pas là? T'es là! Non! Reviens! Reviens, dernier zoni, reviens! Non, dégage. Il est là! Non, il est tombé. Mais où tu vas? Qu'est-ce que tu me fais là? Putain, il fait quoi ce con? Il allait vers le vaisseau, c'est ça? On va vers le vaisseau. J'aime pas du tout cette idée là, hein. Qu'est-ce qu'il lui prend aux zoni là de faire n'importe quoi? T'es là? T'es là, hein? Putain, il est pas là. Il était là. Il était là-bas. Oh putain, faut tout que je refasse.
Ok, alors attendez, on va arrêter de faire l'abruti et suivre le zoni à la trace, s'il vous plaît. Donc, là, il est là. Il est gentil et il se barre. Tiens, 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 tiens. Enfoiré. Tiens, 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 tiens. Mourez gentiment. Et là, tu descends où exactement? Y a une plateforme sous nos pieds là. En fait, faut que je suive le point sur le. Oui, il est là. Va en bas. D'accord, mais t'étais juste là. Je me suis fait avoir pour si peu de choses. Oh! Ah, voilà, collectionneur de Zoni. Parfait. On a les 40, on est heureux. Je me barre d'ici si tu veux bien. Voilà, en fait, j'ai fait. Ah! Je me déteste des fois quand je fais des trucs comme ça. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode, encore une fois secondaire. Je suis vraiment désolé que vous n'ayez pas pu voir bah, tous les trucs du tournoi, tous les autres holoplans. Mais bon. Au moins, on peut se consoler en se disant que c'était pas un épisode principal. Ça aurait pu être l'épisode où je vais chez Nefarious qui aurait été, comment dire, irrécupérable. Mais bon, encore heureux, c'était du secondaire. Donc, la prochaine fois, on retourne chez Nefarious. Oh. Ok. On récupérera le dernier holoplan là-bas. Ensuite, on ira chercher l'holoplan. Et on terminera bah, la zone là-bas. Je pense qu'on va pouvoir combattre Nefarious. Et je pense qu'ensuite, on pourra visiter la grande horloge avec Ratchet. Je pense que ce sera faisable. Mais on aura ses réponses les prochaines fois. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Cet épisode encore une fois secondaire. Que vous ne m'en veuillez pas trop. Que vous ne m'en voulez pas trop pour, bah, pour l'épisode perdu. En même temps, j'ai pas trop le choix. Mais bon, ça va. On s'en sera remis quand même, j'espère. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour continuer l'aventure principale. Voilà. Bye bye tout le monde.